Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo coloriage. Voilà, j'ai un peu changé. J'ai voulu faire un peu de coloriage en regardant la télé ce soir. Donc bon, le coloriage n'est pas terminé, donc vous l'aurez en deux fois. Je l'ai fait avec sur mon livre Steampunk, coloriage, que je n'ai pas pris avec moi, je vous montre. Là, voilà. Donc sur celui-ci, voilà. Et d'ailleurs, le modèle que j'ai choisi, ben, c'est le modèle de la couverture. Voilà, donc c'est un grand livre, hein, vous voyez. C'est le coloriage donc Steampunk de chez Hachette. Voilà. Donc s'il y en a que ça intéresse, ben, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le trouver chez Amazon. Donc ce sont des très grands dessins, hein, à faire sur le style Steampunk. J'en avais déjà fait. Je crois que je vous les avais déjà montrés, mais pour celles qui ne les ont pas vus, alors voilà, un que j'avais fait qui n'est pas fini. Oups là, hop, ça m'a glissé des mains, excusez-moi. Voilà, que je dois terminer. Un autre que j'avais fait aussi. Alors, il est là. Il est tellement grand ce livre qu'il n'est pas facile à prendre dans les mains. Voilà, en voilà un autre que j'avais déjà fait. Et je crois que c'est tout, à part celui que j'ai fait ce soir. Oui. Celui-là, je viens de vous le montrer. Ah non, celui-là, je ne voulais pas montrer. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de modèles dedans. Et je vous dis, bon, c'est vraiment des très, très grandes pages. C'est un très beau livre. Alors, il y a des coloriages qui sont vraiment... Il y a du temps à passer. Là c'est une double page, vous voyez. Mais si on aime le steampunk, c'est vraiment super. Vous voyez, il y a des grands personnages. Donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, bon, il y en a, là par exemple, là, il y a du temps à passer dessus, vous voyez. Mais il ne se fait pas en une fois celui-là. Avec beaucoup de rouages, voilà. Là, voilà encore des personnages en forme de miroir, vous voyez. Donc, il est vraiment magnifique celui-là. Donc, je vais vous le mettre en barre d'infos, comme ça, si vous voulez le retrouver. Et donc là, celui-là, le jour que j'aurai terminé, ben, il va se passer des mois quand même. Avant que je le termine. Donc là, je l'ai fait au crayon. Je fais principalement au crayon. Alors, je vous les avais déjà montrés. Je vais tout ranger, je suis bête. Donc, je l'ai fait surtout au Castel Art Supply. Voilà, cela. Pareil, je vous mets en barre d'infos pour retrouver cette boîte de crayons. Sur Amazon, donc c'est, vous voyez, donc il y a trois rangs de crayons, voilà, donc le premier, le deuxième, voilà, et le troisième. Je vous avais déjà fait une présentation de cette boîte en vidéo. Je vous mettrai le lien ici quelque part aussi pour vous remontrer.
Et j'avais fait avec. Et je me suis servi des gels pen d'action. Je vais bien remettre la mousse. Ça, par contre, je les ai rangés, mais ils sont dans l'autre armoire. Donc, je me suis servi aussi des gels pen d'action pour une partie du dessin. Voilà. Donc, il n'est pas terminé. Hop, un, deux, trois. Je continuerai certainement demain ou après-demain. Voilà, donc vous aurez la suite et la fin normalement sur la prochaine vidéo. Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Oui, donc là j'ai voulu changer un petit peu, bon, faire un peu de coloriage pour me changer un peu. Me sortir un peu du DP, voilà. J'ai pas encore repris la peinture au numéro. Je vais le reprendre, hein. Mais bon, c'est vrai que je saute pas dessus. Et bon, je vais le continuer, hein, vous inquiétez pas. Donc là, vous allez voir donc le dessin que je suis en train de faire. Donc je vous le montre déjà comme ça. Voilà. Oui, vous voyez, il n'est pas terminé, mais bon, je le terminerai. Parce que là, bon, j'ai quand même passé 9h30, 10h30. Alors, attendez, 9h30. J'ai passé 1h30 là pour faire ça. Donc, ça m'a pris du temps quand même. Ben, le coloriage prend du temps de toute façon. Et là, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits détails dans ce dessin. Donc, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc, je vais vous laisser visionner cette partie. La partie où je fais mon coloriage. Voilà. J'espère que ça vous plaira quand même, hein. N'hésitez pas à me le dire en dessous de la barre d'infos, comme d'habitude, en commentaire. Je vous répondrai à vos commentaires comme d'habitude, avec grand plaisir. Et si la vidéo vous a plu, laissez-moi les petits pouces bleus, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, abonnez-vous. Là, en ce moment, la chaîne monte, monte, monte. C'est super, je suis très contente. On approche des 3 300 abonnés. Donc, je suis très contente. Puis voilà. Donc, je vous laisse visionner et on se retrouvera donc certainement demain pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si ce sera du DP, si ce sera du scrap, si ce sera le coloriage. Je verrai suivant le temps que j'aurai demain ce que je ferai. Vous aurez la surprise. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, comme d'habitude. Vu l'heure qu'il est, bon, moi je vous souhaite une bonne nuit, mais vous, comme d'habitude, vous allez regarder, il fera jour. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, bisous, bisous.